Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai sur le repère des motards d'une moto, un custom japonais. Et oui, c'est pas très très standard un custom japonais. On sait très bien que ce sont plutôt les marques américaines qui trustent ça. Les japonais ont bien essayé année après année, mais sans vraiment jamais arriver à détrôner le modèle américain. En attendant, eh bien, Honda essaie malgré tout d'aller sur ce segment. Ce qui est bien en plus, c'est que c'est une version A2. Et oui, la Rebelle, la CMX500, est disponible avec ses 45 chevaux pour les nouveaux permis. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et puis, on est vraiment dans l'idée de la plateforme. Parce que ce que Honda a fait avec les 500, avec ses bicylindres, c'est les déclinaisons en roadster, en trail, en sportive. Et puis, la petite dernière, ce fameux custom, qui est limite en fait un bobber. Pourquoi ? Parce que malgré le fait qu'il y ait une toute petite selle à l'arrière ici, eh bien on peut en fait la démonter pour avoir vraiment un arrière complètement défini, redéfini, et puis eh bien un petit modèle qui a été amélioré dans sa version 2020, dans sa version Rebelle S. Pourquoi S ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une nouvelle selle avec de jolies surpiqûres, franchement. Et puis on trouve également un léger saut de vent à l'avant. Et surtout par rapport à l'ancien modèle qui avait été sorti en 2017, Honda a vraiment fait des efforts. Des efforts où, eh bien, un petit peu à tous les niveaux en fait, et notamment au niveau de l'éclairage, du phare avant qui est désormais complètement à LED, mais également à l'arrière, ainsi que les clignotants. Ça peut paraître un détail, mais franchement, la version 2007, le phare avant était vraiment cheap. L'arrière, le feu arrière, pareil, les clignotants identiques. Alors que là, on dirait presque des versions, non pas peut-être pas sorties de chez Rizoma, mais il y a un vrai effort pour toute cette partie-là. Et encore une fois, cette selle. On a ici un coloris noir mat qui est vraiment très bien réussi. Et puis, ce qui fait tout l'attrait d'un custom, outre le fait d'être accessible au permis A2, eh bien, c'est cette hauteur de selle à 690 mm, ce qui fait que vous poserez parfaitement les pieds à terre. Puis on se retrouve avec un petit bicylindre de 471 cm3, vraiment très facile, disponible à tous les niveaux. Et puis tout simplement, une prise en main qui se fera de façon naturelle par la position, par une position qui est très naturelle et qui est très loin des positions habituelles des customs. En général, avec les customs, on commence à accrocher les bras loin devant. Il faut mettre les pieds devant et on se retrouve un peu en crapaud. Ici, la position est nettement plus naturelle. On peut presque serrer également le réservoir, ce qui est loin d'être le cas sur toutes les motos. Aussi bien pour les hommes de petit gabarit et surtout que les femmes, eh bien, c'est vraiment la moto idéale pour débuter. Bon, alors autant pour la position, bah, on est très très bien à gauche. Ce qui est bizarre un petit peu, c'est que à droite, eh bien, le moteur sort un tout petit peu, donc ça écarte un petit peu la jambe droite, mais à part ça, rien de bien extraordinaire. Mais voilà, je vous ai parlé un petit peu de ce bicylindre de chez Honda. Eh bien, il ne reste plus qu'à faire l'essai, donc allez, on y va. Alors, l'avantage du petit bicylindre, c'est il est très souple, hein. Franchement, les bicylindres par rapport à ce qu'il y avait avant sont devenus vraiment très très faciles. Ils sont bien agréables pour ça. Ça grimpe gentiment, y compris quand on est en troisième. Ça se manie vraiment hyper facilement. Peut-être une légère tendance à s'ouvrir et encore. Puis encore une fois, cette boîte très facile. Honda annonce en fait que notamment l'effort au poignet a été diminué de 30% par rapport au niveau de l'embrayage pour faciliter le passage des rapports. La boîte est douce, franchement on l'oublie, autant il n'y a pas ce clunk qu'on retrouve sur un certain nombre de customs. Là c'est vraiment très très doux. Il y a un petit pout, le fameux potato très léger. On n'est que sur un 500 cm3 ici. Donc ça reste vraiment très très raisonnable. Et encore une fois, ouais, on peut rouler sur le sixième et dernier rapport. En fait, ce modèle est incroyablement permissif au sens où il autorise vraiment d'évoluer sous tous les rapports, alors que la première, voilà. On peut la faire grimper jusqu'à 50 km/h en toute sécurité. Le compteur est suffisant, hein, avec la petite horloge, le compteur.
un signal du rapport engagé. Ça, je dois avouer que pour les jeunes permis, eh bien, c'est bien sympa. Et voilà, on est en ville. Il n'y a pas de potato, on sent à peine le bicylindre. Ça reste vraiment très très confort. Il a vraiment fallu attendre ces dernières années pour être capable d'enrouler sur le dernier rapport sur des bicylindres et encore plus sur des custom, sans que ça vous fasse ressembler à la chevauchée des Walkyries en dessous. Bon, par contre, ici, hein, on est quand même sur un compteur minimaliste, donc ça vous donnera pas, ça ne vous indiquera pas le régime moteur. En courbe, c'est top, et en fait, par rapport à beaucoup de custom, ça frotte pas trop vite, on peut prendre un tout petit peu d'angle. Par contre, le confort, on le savait déjà, la selle est un peu fine. Alors, dès que la route est un peu en travaux, ah ben là, vous vous prenez absolument tout dans les lombaires. Voilà, si vous avez des problèmes de dos, la Rebelle n'est pas faite pour vous. Passez votre chemin, il y a plus confortable. Par contre, elle a vraiment un petit moteur sympa. On ne peut pas juste dire que le petit 500, il veut prendre ses tours. Il ne demande qu'à jouer. Et quand on commence à jouer avec lui, il en redemande en fait. Et puis ce qui est bien, c'est que la réaction à la poignée de gaz est instantanée. Le petit bicylindre, il demande que ça, que jouer. Et c'est vraiment très sympa. Du coup, et ben voilà, je me trouve déjà 10 fois trop vite par rapport à la vitesse autorisée. Maintenant, les grandes courbes, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout que la machine est très très maniable. Donc, à peine un petit point de guidon, les petits virages et les virolos ne vont vraiment pas lui faire peur. Et a fortiori, les grandes lignes droites, où là, eh ben, on peut rouler tranquillement. La moto tient toute seule. C'est une moto qui s'oublie complètement. D'autant plus qu'elle est disponible sur tous les rapports. Là, on est en quatrième à 50 km/h, mais on peut passer la sixième à 50. Potato très très doux, très calme, très sympathique. Voilà, à 130 km/h au légal sur autoroute. Elle s'oublie, hein. Elle est pas. La stabilité est parfaite. Bon, je la tiens un peu entre les cuisses, mais ce qui est possible. Et là, je touche pas au frein, ni au frein arrière, ni au frein avant. L'inscription en courbe se fait de façon naturelle. Et puis, encore une fois, il n'y a pas besoin de tenir cette moto. Et le moteur, il ronronne, hein. Le sixième rapport à 60. Alors une fois n'est pas coutume, vous n'aurez pas l'avis passager avec Sandrine, mais vous aurez l'avis d'une motarde, petit gabarit, 1m60. Et du coup, j'allais pas me priver d'un tel essai, parce que c'est vrai que des motos avec une selle aussi basse, c'est très rare sur le marché. Alors je suis pas très custom, parce que c'est vrai, comme le disait David, la position en crapaud vers l'avant, c'est pas franchement très naturel pour faire de la moto, mais la Honda n'est pas comme les autres, parce qu'effectivement, la selle, on est plutôt bien fléchi, même si au début, la première journée, effectivement, le moteur sur la droite gêne un petit peu pour appuyer sur le frein arrière, mais on s'y fait. On a plutôt tendance à avoir les jambes écartées, ce qui est très mauvais, mais après, on réfléchit 2 secondes et on serre bien le réservoir, ce qui est possible avec ce custom. Et au final, eh bien, on commence à s'amuser sur les petites routes, les petites départementales. J'ai pris mon pied avec cette moto. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que la boîte de vitesse, c'est un vrai régal. On la sent, les vitesses passent tout en douceur. Le moteur pour un bicylindre est ultra souple, ce qui est vraiment agréable aussi. Les freins sont pas trop brusques ni trop puissants, même si ça freine. Le seul petit bémol, effectivement, que je vais mettre, c'est le guidon et le poids de la roue avant, où à vitesse lente, on sent un petit ballon. Maintenant, on a les pieds largement à terre, donc pour une fois, même si la moto perd un petit peu son équilibre, les deux pieds sont là pour récupérer la moto, ce qui est vraiment très agréable pour les petits gabarits comme moi.
J'ai quand même fait le sac de sable pendant quelques kilomètres sur ce bobber. Franchement, non. C'est surtout les suspensions et l'épaisseur de la selle font que la moindre plaque d'égout, vous la ressentez bien dans la colonne vertébrale. Il n'y a aucune poignée, aucun moyen. Donc là, vous êtes obligé effectivement de mettre tout votre poids en cas de freinage intensif sur le pilote. Donc ça va en ville, ça va sur quelques kilomètres, mais franchement, vaut mieux avoir chacun sa Honda et aller s'éclater sur les départementales. Et bien voilà, cette petite rebelle qui reprend le moteur de la CB500, une CB500 qui a fait la joie de plein de nouveaux permis, avec une accessibilité encore plus facile en termes de die, donc idéal pour les petits gabarits. C'est une moto, voilà, un moteur facile, plaisant. Encore une fois, sur le sixième rapport en ville, à 40 km/h, ça le fait. On a besoin d'être en seconde, à 90 km/h, ça le fait aussi. Franchement, pour un petit bicylindre, il est d'une facilité de prise en main, une boîte qui est juste un régal. C'est une moto idéale, franchement, pour quelqu'un qui veut débuter, qui n'a pas envie de se faire peur. C'est une moto qui vous met tout de suite en confiance et c'est son vrai intérêt. En plus, désormais, avec ce modèle 2020, la Rebelle est Euro 5. Avec cette Rebelle, le petit point faible, ou voire le gros point faible, ça sera plutôt le confort, ce qui est limite meilleur en duo. Enfin, en duo, quand vous êtes en duo, c'est meilleur pour le pilote, mais pas du tout pour la passagère, parce que franchement, il faut avoir des lombaires en béton. Donc le gros point faible de cette moto, c'est vraiment le confort. Le deuxième point faible, c'est un profil de pneus, les Dunlop qui sont fournis ici, qui est très rond, très gonflé, qui donne une conduite qui est avec un train avant un petit peu lourd, un petit peu bizarre. Voilà, il faut s'habituer au modèle, mais tout en sachant qu'au fur et à mesure des kilomètres, on y prend plaisir. Et c'est vraiment le cas de Sandrine, qui au début, sa première journée de roulage avec, n'a pas du tout aimé. Et puis au fur et à mesure des jours, elle s'est détendue avec la machine. Et puis finalement, elle adorait vraiment la prendre chaque jour. Voilà, on regrettera juste que la Rebelle ait pris 300 euros par rapport au précédent modèle, ce qui fait que la version standard est désormais à 6699 euros et 6999 euros, soit 7000 euros pour ce modèle dans cette version S. Personnellement, avec la finition, je préfère très nettement la version S, donc je suis plutôt tenté de vous dire, mettez encore les euros supplémentaires pour cette partie-là. Voilà, vous avez aimé cet essai. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite. Un petit pouce vers le haut nous fera toujours très très plaisir. Et je vous dis à très vite pour un nouvel essai sur le repère des motards.